Hey, salut tout le monde! On se retrouve pour un nouvel épisode de la série Minecraft, donc le 36, je crois. Je ne suis plus certaine, à force avec les numéros des épisodes, mais c'est pas grave. Voilà, on est là pour un épisode de Minecraft, donc aujourd'hui, on va voir ensemble pour faire une usine à bois. Donc, c'est pas une automatique, quoi, hein. Clairement, c'est juste une usine à bois pour pouvoir, moi, pardon, farmer du chêne. Parce que j'avoue que les forêts autour ont été pas mal coupées, et même en replantant et tout, les pousses, enfin, c'est un petit peu galère à farm, donc je préfère faire une petite usine simple mais efficace. Donc avant de commencer la vidéo, j'ai farmé du bois de sapin. Donc c'est tout ce que j'ai pu obtenir durant ma récolte. Donc on est plutôt bon en vrai, je suis plutôt satisfaite. Donc c'est parti, on va aller voir où je vais faire cette petite usine, les amis. Donc il fait nuit déjà, bien évidemment, sinon ce n'est point drôle. Mais c'est pas grave, les fantômes ne viendront pas, j'ai dormi la nuit dernière. Alors vous voyez, c'est la forêt que je tout simplement que je déforeste à chaque fois maintenant que j'ai enlevé tous les petits arbres. Donc voilà, j'ai eu deux shulkers quasi ennemis, donc ma foi, enfin j'ai eu deux shulkers ennemis parce que j'ai rempli aussi les coffres avant. Donc on va dire qu'on est plutôt bien maintenant niveau farming de bois, ça se farm assez vite franchement, c'est pas un problème. Le sapin à avoir, le chêne par contre plus galère parce que c'est des petits arbres, donc on va aller voir comment faire. Et le pire c'est que quand on mais des pousses à planter, bah on part des grands chênes qui sont assez galères à couper. Donc j'ai déjà creusé la zone. Bon, j'ai pas encore décoré ni rien. Bon, là il y a les mesures, vous voyez un peu du délire. Mais voilà, clairement, c'est pas grave, ça on n'a plus besoin. En gros, il faut savoir que un piston va pousser 12 blocs, d'accord? Donc là, au final, j'ai calculé avec la pierre taillée les 12 blocs que sont censés pousser tout simplement les pistons. Alors, il va nous falloir des pistons, il va nous falloir repeater, comparateur, de la poudre, torche aussi, il va nous falloir un distributeur pour mettre tout simplement la poudre d'os, un bloc de redstone, il va nous falloir, je crois qu'il va nous falloir des pistons collants si je dis pas de bêtises, et je crois que c'est bon, je crois. Alors, je suis pas la spécialiste en redstone, vous savez très bien. J'essaye de faire des trucs qui pour moi marchent, qui pour moi sont assez simples d'utilisation. Donc après, voilà, c'est en fonction des gens. Alors, on va s'attaquer à l'usine. Donc là, je sais que ici, je vais laisser de l'espace pour la déco parce que je l'ai compté dans mon truc. Donc, je vais commencer ici. Mes pistons. Donc, il va m'en falloir 5 de haut. Donc, attendez, on va prendre des blocs pour pouvoir monter. Alors, hop. 2, 3, 4. Et 5, parce qu'on va dire que la limite c'est 5 blocs. Enfin, généralement, un arbre de oak fait 5 de haut. Donc, il va falloir que je recreuse juste de 2 histoire d'avoir un truc qui soit un peu plus tranquille. Mais bon, je ferai ça après. J'avais oublié de calculer la hauteur. J'avais calculé la longueur et tout, mais j'avais pas calculé la hauteur. Mais c'est pas bien grave. Donc, ici, là, on aura notre distributeur qui va tout simplement dispenser de la poudre d'os, d'accord? Ce qui est normal pour pouvoir avoir un arbre. Donc 2, 3, 4, 5 de haut. Et là, ici, au bloc qui sera là, on va faire ça. Pour avoir en gros un. Comment? Un chapeau. Pour éviter en gros que l'arbre pousse plus haut. Voilà. Parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a des arbres qui sont parfois plus de 5 de haut et qui sont galères à couper. Mais là, on veut vraiment limiter et avoir que des arbres comme ça. Alors, au final, j'ai creusé un peu les deux de hauteur qu'il fallait. Et j'ai posé la stone brick afin de vous expliquer un peu le système. Comment le créer, parce que j'avoue que c'est un peu compliqué d'expliquer dans la stone pour moi. Donc, ici, au niveau du piston, vous voyez, vous allez tout simplement vous décaler. D'ailleurs, à l'avant, vous allez faire comme ça, un, deux blocs. D'accord? Vous allez décaler de 1 ici. Là, vous allez en mettre deux blocs comme ceci, d'accord? Hop, un deuxième au-dessus. Vous allez en mettre un ici. Et là, ici, vous allez poser un bloc pour pouvoir poser celui du bas, celui du haut. Et celui-là, vous allez le casser. Parce qu'on aura une torche de redstone qui va permettre de faire descendre le courant ici. Donc là, ici, on aura un piston collant à terme. Donc là, vous mettez un bloc. Non, je ne voulais pas poser ça. Ensuite, là, pour pouvoir alimenter tous les pistons, on est obligé de faire un petit système. Donc là, on met ça, on met ça. Et ici, on met tout simplement un bloc là. Là, il va falloir alimenter aussi les pistons qui sont là. Donc, on va faire ici. Et ici, voilà. Et là, on a posé tout ce qu'il faut pour tout simplement le système de redstone. Bon, maintenant, on va voir ce qu'il faut poser. Donc, avant, je vais mettre mon double chest avec tout simplement l'entonnoir pour pouvoir remplir le distributeur tout le temps.
On continue. Hop, comme ceci. Tac. Je l'ai mis où, décidément? Je croyais que j'avais pris de la poudre d'os. J'ai bien de mes shulkers, faut croire. Bon, c'est pas grave, j'irai la récupérer plus tard. Donc là, on va voir un peu ensemble comment procéder pour le système. Donc là, en bas, il faut savoir qu'on va avoir des pistons, un piston collant ici, qui va pousser un bloc de redstone. Quand ici, il y aura quelque chose, en gros. Donc là, il va falloir mettre une dirt. Donc ça, c'est, j'ai un petit peu zappé, il sort de la dirt. Parce qu'on peut pas poser une pousse d'arbre sans dirt, j'ai envie de vous dire. Donc, tac, on va mettre de la dirt ici. Donc, on va avoir un autre piston collant à l'arrière. Ici, qui poussera un bloc, d'accord, par rapport au courant. Donc ensuite, pour transmettre le courant ici en bas, au niveau du bloc de redstone, vous allez mettre tout simplement une poudre là, qui va récupérer en gros le courant par rapport au bloc de pierre taillée, pardon. Donc de ce bloc de pierre taillée, là, vous allez mettre une torche pour pouvoir faire remonter le circuit, d'accord, comme ceci. Hop. Et au-dessus de cette petite torche, vous allez tout simplement poser ça. Vous allez mettre un repeater. Vous allez mettre deux repeaters comme ceci. Si j'arrive à les poser, on y arrivera peut-être. Donc ici sur trois tics du coup. Celui-là, vous le laissez sur un tic, d'accord? C'est pour tout simplement alimenter ici, d'accord? Alimenter les pistons, etc. Alors, ici maintenant, au niveau du piston qui est là, vous allez tout simplement mettre un repeater comme ça. Là, ici, il va falloir mettre de la poudre pour pouvoir alimenter les pistons, donc en bas, en haut, d'accord? Hop, ça c'est good. Et on aura les blocs qui vont transmettre le courant, d'accord? Pour activer les pistons. Donc là, les blocs qui vont transmettre le courant à ce qui est ici, comme ça. Hop, repeater, repeater, poudre, poudre. Comme ça va alimenter les pistons qui sont là, la colonne de pistons qui est là. Maintenant, ici en bas, il faut qu'on alimente notre distributeur. Alors tout simplement, là où part la poudre redstone, ici, vous voyez. Il va falloir creuser une zone de 3. Hop, 3 sur 2, vous voyez, comme ça. Donc là, on va mettre tout simplement un repeater. Là, on va mettre un comparateur qui va être allumé, d'accord? Surtout, c'est important. Ah non, c'était bien ça. Non, c'était pas zone de 6, c'était zone de 8, pardon. Ici, on va mettre un repeater, d'accord? Classique. Il faut pas de tic sur cela. Et ici, on va mettre de la poudre, d'accord? Pour pouvoir alimenter tout simplement le distributeur, pardon. Et là, comme ça, on va alimenter. Les pistons sont alimentés. Tout est alimenté, là, normalement. Donc, je vais aller chercher vite fait la shulker avec les pousses et la poudre d'os et je vous reprends. Alors, ça y est, j'ai la poudre d'os et j'ai tout simplement les pousses. Alors, la poudre d'os, tac. On va la mettre dans le distributeur, dans le coffre, etc. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et ensuite, je vais vous montrer tout simplement comment faire en sorte que, en gros, bah, on puisse avoir des pistons qui poussent aussi le bois, quoi. Histoire de pouvoir en gros avoir un stockage de 12 sur la hauteur, la longueur quoi. Hop, on met ça là-dedans. Hop. Hop. Il faudrait que j'aille rechercher, mais des os, j'en ai plein à l'usine à os, c'est juste qu'il faudrait que j'aille en rechercher. Alors, vous allez mettre tout simplement ça là. Hop. Alors, c'est un peu long, mais c'est normal. Voilà, vous voyez, ça pousse. Donc, hop. Allez, coco. Alors, je retrouve dès que c'est poussé et que j'ai tous mes blocs. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai creusé. J'ai plus de bonne mille. Donc, le truc, c'est que si vous avez une pousse, vous voyez, même s'il n'y a pas de bonne mille, ça s'active parce que hein, ça détecte le truc. Mais voilà, donc j'ai retiré la pousse pour éviter le boucan. Donc, vous voyez, ça marche. Donc, j'ai 10 bûches là, au total. Donc, 2-5. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Donc là, le but, en fait, ça serait de pouvoir pousser justement les bûches. Pour pouvoir tout simplement, bah, en avoir plus, j'ai envie de vous dire, de bois. Voilà. C'est un peu le but. Je vais vite fait mon inventaire dans la shulker là qui traîne. Hein, on va pas s'enquiquiner pendant 10 ans. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, on va tout simplement mettre des pistons derrière. Donc. Comment procéder? Tout simplement, là il y a de la redstone, donc on ne peut pas le mettre ici par exemple, donc on va commencer ici. Donc normalement ça va être 7 parce que ça pousse au total 12 un hein, piston, comme je vous avais expliqué. On ne peut pas plus. C'est une propriété du piston, donc on ne peut pas plus. Donc 3, 4, 5, 6, 7. Donc on est OK. Et il faut savoir, donc 2, 3, 4, 5.
C'est ça. 5 plus 7, 12. On est bien d'accord. Donc c'est bon. Donc ça, il faut le monter sur 5 de haut, bien évidemment, pour pouvoir pousser de haut en bas les bûches, quoi. Donc ça fait que vous aurez 7 fois 5 de hauteur. Enfin, c'est juste trop bien. J'ai cassé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé un truc. Pourquoi mon truc il est à l'infini là? Voilà, en cassant la bûche, j'ai dû faire un truc. Bon, c'est pas grave. Du coup, là, comme je vous disais, donc il faut 5 de hauteur. Donc je vais poser les 5 hauteurs de piston. Hop, je vous reprends dès que j'ai monté les 5 hauteurs. Alors voilà, j'ai monté les 5 hauteurs de blocs de piston. Donc là, on va mettre une petite torche ici pour permettre, en gros, de détecter le changement, quoi, pouvoir monter le courant. Donc là, il va falloir qu'on mette non, du fil vers l'arrière, pas sur le côté comme ça. Donc il faut qu'on décale là. Donc ici, tout simplement pour pouvoir alimenter en bas, on va mettre de la poudre, d'accord? Mais il faut alimenter le haut, c'est pas le tout, d'accord? Parce qu'il faut alimenter toutes les lignes. Donc là, on va alimenter tout simplement en mettant des blocs ici et ici derrière les pistons. Ou là-dessus, on va mettre de la poudre, hein, tout simplement. Donc là, je vais pas avoir assez de place, j'ai pas creusé assez, vous voyez, j'ai mal calculé mon coup. Donc il faut que je vire ça. Alors, je vire ça. Alors voilà, j'ai viré les blocs. Donc là, au niveau de la redstone, vous voyez, il va falloir tout simplement poser de la poudre là tout le long, hein, bien évidemment. Hop, pose-moi ma dernière. Merci bien, monsieur, madame. Donc là, c'est pas le tout. Ok, ça va être alimenté parce qu'il y a la poudre. Mais il faut que je fasse remonter le courant qui va arriver en bas. Alors, pour faire remonter le courant, tout simplement, on va utiliser une remontée via des blocs. Donc, tac, on va faire ça. Tac comme ça, là on va faire ça, touc, touc comme ça, et comme ça. Non, comme ça plutôt, pardon. Hop, donc on va mettre ça, ici, hop, un petit repeater, tac, là on va faire descendre le courant, tac, ici. Je vais manquer de poudre, il faut que j'aille rechercher de la poudre de redstone. Hop. Voilà, on va refaire de la poudre vite fait. Donc là, vous voyez, comme ça, j'ai mon petit repeater ici. Non, on laisse sur le tick normal, un tick par défaut. Donc là, pareil, il faut un repeater ici, d'accord? Pour pouvoir tout simplement pousser les blocs. Alors, on va tester. Oh, je vais mettre de la pierre parce que c'est juste pour vous montrer un peu en test, on va dire, ce que ça donne. Donc, tac. Voilà, vous voyez, ça pousse. Donc là, on n'aura pas les blocs tout le temps ici, mais ça pousse, vous voyez. Donc j'ai encore fait une bêtise. Voilà. Non, ça va le faire à l'infini. On va mettre une pousse, on va la casser. Voilà. Alors, donc vous voyez, comme ça, on aura une zone de 12 x 7 sur 5 de haut. Donc comment vous dire qu'on va récupérer pas mal de blocs? Bon, certes, c'est peut-être pas la plus rentable du monde, mais moi c'est celle que je fais parce que bah voilà, je veux du chêne et j'ai pas besoin d'avoir. Je veux pas un truc totalement oufissime. Voilà, c'est juste pour une récolte pour moi. Moi je viens là, je me mets AFK, en même temps je fais autre chose à côté et hop, je mets ma pousse quoi. Donc voilà pour l'usine à bois. Donc je vais décorer la salle et je vous retrouve une fois que cela est fait, les copains. Alors on se retrouve, les amis. Donc j'ai tout simplement terminé l'histoire donc de la décoration. Donc on va aller voir. Donc voilà, tout simplement, bah, j'ai gardé le même pattern qu'on a pu utiliser depuis le début au niveau des blocs. Donc voilà, là la petite entrée. Et là on arrive directement dans la pièce. Donc j'ai essayé de faire des voûtes, etc. Mais ici je peux pas mettre de poutre étant donné que là le bois va être poussé jusque là ou là. Je ne sais plus, là ou là. Donc on verra. Mais j'ai mis de la bonne huile. J'ai mis un coffre plus deux entonnoirs plus le distributeur. J'ai récupéré deux stacks de bois. Donc on va pas se mentir qu'il va nous falloir masse bonne mille. Donc je pense que pour pouvoir avoir beaucoup de bonne mille, on se fera une usine à mob bientôt. Donc je sais pas, ce sera dans le prochain épisode ou ensuite d'après. Je verrai en fonction de mes possibilités niveau temps. Mais voilà, parce que il va falloir que je teste avant parce que j'ai jamais fait toute seule d'usine à mob. Donc voilà, je vais apprendre à faire toute seule. Donc voilà, c'est parti pour la suite de l'épisode. Donc on va tout simplement s'occuper de faire les chemins qui sont au niveau des maisons qu'on a fait la semaine dernière, voir un peu comment ça se passe ensemble. Et ensuite, bah je verrai pour continuer un peu moi hors caméra à faire les chemins, etc. Parce que je vais pas tout faire avec vous.
Parce que sinon l'épisode durerait bien trop longtemps. Alors, je vais juste vous montrer un peu ma technique, ma façon de faire, et voilà quoi. Rien de plus. Alors, on va faire dodo parce que là-bas, c'est pas encore éclairé. On fera des lampadaires différents de ceux qu'il y a ici. Donc, on verra ça après également ensemble. Et j'aimerais commencer à rajouter quelques maisons dans cet épisode. Donc, à voir si je le ferai parce que clairement. Voilà, on a déjà pas mal de temps de passer sur l'épisode. Mais c'est pas grave, c'est ça ce qui est bon. C'est que tout simplement, on prenne son temps et qu'on fasse quelque chose de sympa. Alors, on va aller grimpouiller là-haut et on va essayer d'aller voir ce qui se trame. Donc, j'ai remis à cuire des algues. J'ai tout vidé l'usine. J'avais un double coffre encore. Donc, en quoi 3 heures de temps, peut-être? Alors, du coup, là, vous voyez par exemple, on va voir le chemin qui va arriver, qui va venir ici. Tac. D'accord, on a une entrée là. Hop, on va mettre ça là. Et là, on a une autre entrée ici, par exemple. Ok. Donc, là, j'en ai une autre là également. Donc là, ici, on va avoir un chemin comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a il y a des grottes là-dessous. Ça va être un petit peu enquiquinant. Du coup, ici, il va falloir qu'on grimpe. Donc, on va falloir qu'on mette des dalles ou des escaliers, histoire de pouvoir grimpouiller. Là, ici, on va avoir un chemin qui va passer tout pile au milieu. Donc là où il y a le beacon, le jour où on aura terminé dans cette zone, je le retirerai. Mais là, pour le moment, comme je ne sais pas encore si je vais faire d'autres usines dans la zone, je préfère laisser mon beacon en place. Tac. À terme, on essaiera de mettre un beacon dans une fontaine et tout, faire un truc plus propre. Mais là, pour l'instant, c'est pas le truc super essentiel. Donc là, on va passer ici, vous voyez, tout simplement sur le côté. On va faire comme ça, on va casser un tout petit peu la zone. Tac. Voilà, on est déjà suffisamment, je pense. Tac, tac, tac. Ouais, on va laisser ça comme ça. Là, je vais casser un peu plus comme ceci. Donc, on va laisser les torches ici pour l'instant. Là, au niveau de l'angle, je vais le casser histoire que ça fasse mieux. Hop. Tac, 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 tac. Et du coup, là, pareil, parce que là, on va avoir nos dalles qui vont arriver ici. Je sais pas encore si je mets des dalles. J'ai pas de dalles sur moi, mais peut-être que je mettrai quand même des dalles. Alors, mes blocs de chemin jusque maintenant. Par rapport au village que j'avais fait au départ, j'ai utilisé tout simplement de la cobble. Donc, cobble moussue, la cobble classique et des escaliers. Et j'avais pris la citrouille, pardon, la jack-o'-lanterne avec des carpettes pour pouvoir ajouter de l'éclairage au niveau du sol, par exemple. Donc, tout simplement, quand je fais un chemin, je fais ça. Je mets de façon random un bloc que je vais pas trop mettre. Parce que je vais pas en abuser, vous voyez. Mais je le mets de façon random, en gros. Ensuite, je vais mettre quelques escaliers pour faire un effet d'usure, en gros, dans le sol. Parce que, l'air de rien, voilà, un chemin en pierre, au fur et à mesure des années et du temps, il se dégrade. Tout simplement. Donc là, j'ai décidé de rajouter, par rapport à ce que j'avais déjà pu faire, du gravier. Voilà, histoire de rajouter un peu de dérivé par rapport à la stone, à la cobblestone, pardon. Qui est très peu contrasté au final parce que les escaliers, la moussue est très flashy par rapport à l'autre. Donc dès que je referai mon pack pour l'1.14, je modifierai ça histoire d'avoir un truc qui me plaise un peu plus, vous voyez. Donc, tac. Donc là, par exemple, maintenant, il faut que je remplisse de cobblestone. C'est comme ça que je procède pour mes chemins et j'essaie de surtout de faire des trucs qui ne sont pas tout à fait droits. Parce que c'est trop linéaire, c'est pas beau les gens en fait. C'est totalement pas beau, dégueulasse, voilà. Enfin, il n'y a pas d'autre mot à dire. Voilà, c'est pas très fun, c'est pas très sympa. Et ce qu'on veut vraiment, voilà, c'est de la diversité et quelque chose qui soit assez cohérent. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Je vais faire mes chemins et après je vais rajouter avec vous un peu de végétation, tout ça. Histoire de vous montrer un peu comment je fais pour ajouter une ambiance un peu plus naturelle au niveau des biomes. Donc on va se crafter vite fait des dalles parce que j'en ai pas sur moi. J'ai complètement zappé d'en prendre. Voilà, des fois on oublie des choses basiques les gens, mais c'est comme ça. Alors là, par exemple, j'ai commencé à faire là-haut, donc hop, mon chemin va arriver ici, tout simplement. Donc là, par exemple, j'aime pas trop le fait que ça soit trop collé, donc je rajoute un peu de dirt, enfin de grasse, pardon. Donc, hop. Ouais, là, le chemin va venir ici, comme ça, en travers. Là, on va aller ici, hop. Et là, histoire de pas avoir un truc full 1-1, vous voyez, histoire d'avoir un truc un peu pas totalement répétitif, parce que s'il y aurait 3 U1 d'affilée, ça aurait fait enfin, pas beau. En fait, c'est question d'esthétisme, là, en gros, dans l'histoire.
Donc là, par exemple, voilà, ça faisait carré, il faut casser ça. Là, par exemple, je voudrais rajouter des dalles. Bah, je vais terraformer un tout petit peu, histoire d'avoir un truc, voilà, comme ça, par exemple. Et là, tac, je vais casser tout ça et je vais le rejoindre au chemin que j'ai fait là-bas. Hop, donc là, je casse l'angle, histoire de pas avoir des trucs full carré. Donc là, par exemple, j'en ai cassé deux. Voilà, ça varie un peu et c'est plutôt pas mal. Donc... Voilà, on met de la moussue de façon random. Tac, tac. Hop. Hop là. Hop. Maintenant, on va mettre... non, le gravier, c'est pas grave, j'ai pas pris le gravier, mais... Viens là. Tac. Hop. Non, on va en mettre plus là-bas. Avec les élytras, je sautille, c'est un truc de ouf. Tac. Tac. Hop là. Vous voyez comme ceci tout le long en fait, tout, à chaque fois que je fais des chemins. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sans vous, quoi, tout simplement. Et après, dès que j'attaque un peu la végétation autour, vous voyez. Parce que là, on a des petites zones où il n'y a rien, donc on va mettre des arbres, des petits trucs. Enfin voilà, on va essayer de rajouter des petites choses, histoire que ça soit un peu moins plat et qu'il y ait plus de vie, quoi, au niveau des maisons, du quartier. Donc voilà, je vous reprends dès que j'ai avancé tout cela, les amis. Et heureux tout le monde. Donc j'ai pas mal décoré et tout. Enfin voilà, ça va donner carrément un autre aspect à la ville. Donc là, 2, 3, 4. Et on va faire un lampadaire. Donc le pattern de lampadaire que j'ai décidé de faire pour le quartier un peu plus riche, on va dire. Donc hop, c'est parti. Donc la petite glowstone pour faire l'éclairage. Les petites barrières comme ceci. Et on va prendre hop, ça comme ça. On va prendre les escaliers que l'on va mettre sur les côtés là. Si on arrive à bien les mettre, bien évidemment, c'est pas toujours gagné. Hop, voilà, il nous en reste plus qu'un. Et voilà, on est good. Alors, on descend. On va stripe le bois. Je trouve que ça rend mieux pour un lampadaire. Après, c'est les goûts et les couleurs, j'ai envie de vous dire. Mais au moins, bon, ça éclaire pas le sol. On va pas se mentir, parce qu'il est trop haut. Mais c'est juste pour avoir un effet d'optique de lampadaire, pour dire que la ville est éclairée, quoi. Ah, bien sûr. Non. Mais non, mais... Je vise le haut, mais avec l'ID des hautes fleurs, des hautes herbes, ça gâche tout. Donc voilà un peu le lampadaire que je vous propose. Donc là, on va voir ensemble comment avoir un arbre. Comment faire un arbre, quoi. Tout simplement, un arbre custom, un peu. Vous mettez trois bouts de verre. C'est important que ce soit du verre parce qu'un autre bloc, bah, en fait, il va pas pousser de la même façon là. Voilà, vous voyez, on a eu un grand arbre. Donc, ce qui est sympa, c'est beaucoup plus simple à customiser que de le faire soi-même à la main de A à Z. Donc, tac. Moi, avant, j'utilisais des carpettes. 5 hauteurs de carpettes pour le faire. Et je suis tombée sur une vidéo où un mec faisait ça. Et c'est mieux. Beaucoup mieux. C'est beaucoup plus simple à reproduire et tout. Donc voilà, après, c'est en fonction de ce que vous voulez. Mais voilà, vous pouvez améliorer l'arbre à votre sauce. Là, par exemple, hop, on va faire comme ça. Et voilà un peu l'arbre que vous pouvez avoir. Donc vous voyez, c'est très super parce qu'au final, on a le tronc et on a les racines en bas et tout. Et vraiment, je trouve que c'est top. Donc après, pour les chemins, pour tout ce qui est décoration, tout ce qui est éclairage, bah je mets voilà, des trucs sous des carpettes. Là c'est pareil, vous voyez, sous les carpettes grises, c'est pareil, je mets des citrouilles jack-o'-lanterne, quoi. Après, j'utilise de la bonne mille, bien évidemment, que je spamme comme ceci. Hop. Et par endroit, bah même si par exemple là, au lieu par exemple de mettre une carpette, je la casse et je mets un feuillage. C'est. Ça sert à strictement rien, hein. C'est juste pour de la décoration. Comme ça rajoute de la décoration, de la végétation par-ci par-là, comme s'il y avait des buissons dans votre espace. Donc après, bah, vous mettez des hautes herbes, donc après, si, des hautes fleurs, pardon, et si vous n'aimez pas toutes les variétés, bah voilà, vous pouvez prendre que celles que vous voulez mettre et tout. Moi, j'aime bien tout mettre parce qu'en vrai, bah, ça fait ressortir davantage les couleurs, etc. Donc c'est plutôt cool. Hop, ici, ça en manque, par exemple, on va en mettre. Hop. Alors voilà un peu comment j'ai customisé un peu mon décor. Donc tous les chemins sont faits, vous voyez, j'ai mis des lampadaires, pas trop. J'en ai mis un petit peu par-ci par-là, vous voyez. Donc là, on aura un accès de la ville. Cela, il y aura d'autres maisons plus tard. Donc là, on peut se balader tout ça. Enfin, voilà, c'est accessible. Donc, vous voyez, j'ai mis des arbres par-ci par-là. J'ai essayé d'en mettre et tout pour que ça fasse un peu de végétation dans la ville. Mais voilà, ça, je trouve que ça rend pas trop mal en vrai. Ça ajoute vraiment du décor et c'est sympa.
Donc là, c'est pareil, on a un accès pour pouvoir aller aux autres quartiers qu'il y aura après, plus tard. Mais clairement, voilà. Donc là, ici, il y aura une route. Parce que là, je vais me faire d'autres maisons de ce style ici à l'arrière. Donc là, pareil, je fais une autre route. Comme ça, bon, on peut se balader un peu partout comme on veut. Et j'aime bien ça. Qu'on puisse se balader à plusieurs endroits, etc. Enfin, je trouve ça vraiment top. Pour une petite ville. Donc si on passe par là, on peut tout simplement retourner à notre maison principale. Donc vraiment, c'était l'idée de vous montrer un peu mes astuces à moi, comment je fais et tout. Parce que voilà, j'ai pas envie de vous montrer des trucs trop compliqués en vrai, parce que moi je suis pas une grande spécialiste en art custom. Mais voilà, donc là on a accès à la ville, à notre ville de départ. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques maisons ici dans ce coin-là, dans ce pattern, et je vous reprendrai dès que j'aurai avancé au niveau des constructions. Et heureux à tous, on se retrouve pour clôturer cet épisode. Donc tout simplement, je vais vous montrer le travail que j'ai pu abattre depuis tout à l'heure. Alors c'est parti, donc je me suis positionnée ici, donc il va faire nuit. Oh bah là là, c'était pas volontaire. Alors voici les maisons qui sont apparues en votre absence. Le petit quartier qui est juste là avec les deux maisons ici. J'ai rajouté des arbres par-ci par-là, vous voyez. Ça rajoute un peu de gaieté, un petit peu de. Hop, vous voyez, ça rajoute un peu des choses sur au niveau du village, c'est plutôt cool. Alors on va se poser, on va tout simplement se balader et contempler un peu le rendu de tout ça. Donc voilà, les chemins sont faits et tout, donc on a vraiment deux quartiers différents. Et je trouve que ma foi, c'est plutôt cool d'avoir des quartiers différents. Donc je connais pas encore la ville par cœur, on va pas se mentir. Mais regardez, là les petites. Alors, elles sont pas aménagées, hein, bien évidemment. Il y a juste ces escaliers pour aller à l'étage. Mais au moins c'est déjà construit. Donc j'ai rajouté des grands arbres, des arbres, custom, des grands arbres. Par-ci, par-là, vous voyez, histoire de rajouter un peu d'arbres dans le décor. Je trouve que c'est pas trop mal. Vous me direz votre avis dans les commentaires parce que je suis impatiente de savoir un peu ce que vous en pensez. Donc là, hop, on va aller dans le quartier qui est en bas. Et si on passe par ici, on atterrit là où il y a l'usine à concrete. Et je l'ai décoré un peu comme l'usine à poulet, voilà. Hop, comme ça je peux rester avec ma concrete et je suis tranquille. Et je peux transformer mes stacks. Donc là, la semaine prochaine, on verra pour faire la forge en fait ensemble. C'est pour ça que j'ai laissé l'espace pour le moment. Donc voilà, donc. J'ai mis la végétation partout, donc là les coffres à terme ils disparaîtront quand on aura une autre salle des coffres. Donc voilà, on a un quartier. Encore de fait. Donc l'air de rien, ce pattern date de deuxième ou troisième épisode de la série, les gens. Imaginez-vous. Il s'est passé beaucoup de choses depuis cet épisode. Et je trouve que le rendu du biome est super sympa. Donc comme vous voyez, ça peut pas spawner à l'intérieur de la ville. À l'extérieur, oui, mais à l'intérieur, non. Donc on est plutôt bien, on peut se balader un peu partout, comme ci, comme ça. Et je trouve que, voilà, ça mange pas de pain, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà assez classe, je trouve. Donc la semaine prochaine, on va tout simplement s'occuper du coup, comme je vous disais. La semaine prochaine, on va s'occuper de la forge, comme je vous ai dit. Et on va tout simplement s'occuper de, ici, faire des maisons qui sont avec le pattern qu'il y a là. Et du coup, tout ici, ça sera ce pattern. Et l'enclos à moutons, je le bougerai enfin. Là, je vous avoue que j'ai pas eu le cœur de bouger les moutons parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps sur l'épisode. Donc, j'ai juste envie de m'arrêter là. Parce que, comme je vous ai dit, voilà, on a quand même fait une usine dans cet épisode. J'ai quand même décoré. Je vous ai montré un peu comment je procédais pour les chemins. Et j'ai quand même construit un petit quartier, donc l'air de rien. Je pense que c'est déjà pas mal. Donc il faut savoir que prochainement, je vais essayer de travailler pour faire des timelapses. Donc je sais pas encore comment je vais gérer le truc, mais j'ai envie de vous en faire histoire d'apporter un peu plus de contenu au niveau des épisodes. Car le contenu, le fond est là, mais la mise en place est selon moi pas terrible. Parce qu'en vrai, un petit timelapse d'une construction d'un village ou quoi, ça pourrait être tellement classe. Donc je vais vous laisser ici. Sur tout simplement ce petit village qui est, ma foi, bien commencé quoi. On a encore du chemin avant de construire le château, l'air de rien. J'aimerais bien que quand même il y ait plusieurs quartiers au niveau de cette petite ville. Et à terme, on pourra percevoir de là-haut, de notre château sur la montagne, tout simplement notre petite ville. Donc, là-haut, la montagne, sur la montagne. Donc,
Je vous laisse là pour cet épisode, les amis. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager si vous le pouvez, car il y a un Twitter. Donc, je vous fais des bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Minecraft et à demain pour un épisode d'une série. Bon, bye bye à tous. Portez-vous bien. Ciao, ciao.